Et salut à tous, c'est Mister David et on se retrouve pour cet épisode 7 de Feed the Rosette. Devant donc notre ME qu'on avait laissé la dernière fois, vous pouvez voir qu'il y a un peu plus que de disques par rapport à l'autre jour, hein. Bon, alors, depuis quelques temps on a des petits bugs graphiques, là, vous pouvez voir le coffre complètement buggé. À moitié invisible, le coffre là aussi. Bref, du coup, je vous avais laissé avec ça. Donc j'ai fait pas mal de craft auto depuis l'autre fois, hein. Des trucs assez pratiques que j'utilise, enfin que je demande souvent ou ce genre de trucs. Je suis loin d'être complet, loin loin loin. Comme vous pouvez le voir, mon usine à arbres a disparu. Ta ta ta. Plus rien, j'ai bouché tout ça tout ça tout ça. J'ai dû faire quelques petites machines, certaines avec des défis. Enfin, j'ai pas eu de défis passionnants. J'ai dû retuer 10 mobs comme j'ai déjà fait dans une autre vidéo. Il y a des fois où j'ai pas eu de défi tout simplement. J'ai dû pêcher 20 poissons. Alors pêcher 20 poissons, je vous raconte pas comme c'était ennuyeux aussi. Enfin bref, des défis vraiment pas très intéressants à montrer. C'est pour ça que je n'ai pas filmé. Mais en gros, j'ai fait des machines dont j'avais besoin pour faire d'autres machines ou ce genre de choses. Donc j'ai pas non plus avancé de masse, hein. Voilà, pendant que mon petit. J'ai entendu un petit dinging sur mon téléphone. Très bien, on va le mettre en silencieux. Voilà. Hop. Donc voilà, des machines, certaines vous les connaissez, d'autres pas. Enfin, celle-là, elle sert à faire des câbles, des sortes de cerceaux, celle-là pour faire cuire des choses. Celle-là, c'est la même que celle qu'on avait fait au tout début à vapeur, sauf que c'est l'électrique. Enfin, le compresseur, c'est pour compresser par exemple du coal et tout, pour avoir des coal plates. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, mon usine à armes n'a pourtant pas disparu, parce que comme vous pouvez le voir, tout est alimenté encore par... Les Golden Power Source, je l'ai juste déplacé, vous pouvez voir que c'est creusé ici, grâce à cet appareil qui est un filler très très pratique. En gros, ça fonctionne un peu comme la quarry, vous délimitez 4 points, parce que la hauteur compte aussi, et vous pouvez lui dire de remplir, de vider, de faire une pyramide des escaliers, tout ça. Bon, par contre, j'ai pas mal de trucs qui drop parce que j'ai pas fait de système. Donc j'ai un petit aimant, hein, que je peux activer et désactiver, qui attire tous les objets qui drop vers moi. Tac tac tac, je dois en avoir pas mal, ouais. Et du coup, vous pouvez voir que j'ai fait une version plus grande. Et pour faire une version plus grande, il faut mettre dans le planteur et dans l'harvester un upgrade. Alors là, j'ai mis un silver parce que je voulais que ce soit 6 cases de plus sur de rayon pour pouvoir faire quelque chose dans cette taille-là. Je voulais pas faire trop gros, ça sert à rien. Vous voyez, là, j'ai déjà bien assez d'arbres qui sont reliés en électricité et en l'AME. Pour l'instant, c'est quelque chose de pas fini du tout, hein. Vous pouvez voir, c'est relié ici. Hop, hop, hop. Ça va par là-bas. Enfin bref, vous voyez, c'est le gros bordel. Et le couloir là, que j'ai creusé un peu plus. Et ici, on peut voir qu'il y a une salle. Voilà. Ça, ce sera... bon, elle est peut-être un peu grande, on verra. Ce sera toute ma machinerie en fait. Tout ce qui est machine et tout ça, ce sera ici. À la partie un peu usine, un peu souterraine, un peu. Voilà, au fond quoi. Et du coup, on remonte. Donc, du coup, au début, je vais m'alimenter en. Enfin, je vais continuer pour l'instant de m'alimenter en énergie de bois. Hein. C'est ce qui alimente tout pour l'instant. Mais. Ah oui, puis donc pour le sludge, hein, on m'a répondu, puis même j'avais cherché entre deux. On pourra faire des items avec, par contre apparemment la machine empoisonne quand vous vous trouvez à 3 cases autour. Donc ça on verra plus tard, pour l'instant le tank reste là. Hein. J'ai quelques bûches en plus. Vous pouvez voir, j'ai 285 levels. Aucune idée de comment ça se fait que j'ai autant de levels, mais bon. Hop, on va mettre tout ça là-dedans. Et là on va faire une machine qui s'appelle un Molecular Transformer. Donc j'ai préparé absolument tous les crafts auto. Tout ça, tout ça, tout ça, 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 ça. Tout ça jusqu'à là. Celle-là, ça aussi. Enfin, tout ça, c'est pour faire une machine. Ça, c'est macérateur, tout ça que j'ai fait avant. Donc, du coup, je fais. En fait, chaque fois que je fais un nouveau craft, je fais le craft auto. Vous pouvez voir, il y a le compresseur, le macérateur, l'ice maker. Toutes les machines que j'ai fait les crafts auto. Et du coup, oui, première chose, est-ce qu'on va devoir faire un défi pour le Molecular Transformer? Eh ben non, pas besoin de défi. Donc du coup, c'est parfait. Vous voyez, j'ai un lit en or. En fait, c'est un carpenter bed que vous recouvrez d'un bloc d'or.
Les carpenter blocks et tout ça, on va en utiliser plus tard quand on commencera à faire un peu de base. Parce que là, pour l'instant, c'est grave taillé dans la roche, quoi. Du coup, on va réclamer le mocular. Normalement, il va se faire très vite parce que j'ai à peu près tous les composants de fait. Bah voilà, j'ai à peine eu le temps de regarder en haut, il s'est fait. Alors, et on va prendre de la. C'est de la glowstone, je crois. Je vais vous montrer. Hein. En gros, ça transforme un élément en un autre, mais ça demande beaucoup d'énergie. Du coup, bon, là, ça se vide pas. Oh, ça fait tout bleu, c'est trois arbres. Oh, c'est marrant. Ah, on peut voir les recettes. Vous avez tout ça. On peut transformer une tête de squelette en Nether Star. De l'iron en iridium or, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et là, ce que je voulais tester, c'était la glowstone en scenarium part. Juste voir, donc on va faire un test. Hein. Process 0%. Donc là, ça pompe. Ok, est-ce que j'ai des time torches là-dedans? Oui, comme d'hab, hein. Les time torches, c'est la vie. On va en mettre à côté. Ouais, mais alors, je sais toujours pas si ça influence vraiment d'en mettre plusieurs, mais je continue pour l'instant. De toute façon, j'en ai plein et je peux en faire autant que je veux. Du coup, ah ouais, du coup, c'est long quoi. Oh. Oh mon Dieu, 1%. Bon, par contre, ça vide pas trop la batterie et ça fonctionne toujours ou ça clignote? Ah, ça clignote parce que du coup, ça s'est alimenté après par ici. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que quand j'utilise, en fait, avec la, j'ai assez avec la batterie, tout simplement. Et pour éviter que ça pompe en permanence, je fasse juste ça. Merde, j'ai enlevé un câble de trop. Voilà, comme ça fonctionne toujours là-bas. Et là, ça vide des batteries, tout simplement. Du coup, je suis à 3%. Et je vais vous expliquer pourquoi je veux faire un. Donc, ces scénariums. Peut-être que vous savez déjà, en fait. Les scenariums, ceux-là donc, ce qu'ils font avec de la glowstone, c'est parce que plus tard, ils seront utiles pour faire des scenariums tout court, qui seront eux utiles pour faire les solar panels. Là, c'est les hybrides, et normalement, voilà, avec des iridium, vous faites des scenarios à l'œil, et avec ça, des cold chunk, un advanced solar panel, lapis, lazuli, tout ça, vous avez les ultimate hybrides solar panel, qui sont donc les mieux quoi. Les mieux. Ça produit du 1024 particules jour et nuit. Non, pas nuit en fait. Nuit ça fonctionne mais moins bien. Mais jour. Du coup ça sera une autre source d'énergie qui servira aussi. Par contre, putain, je pensais pas que c'était aussi long. J'ai même pas. Ouais, on voit l'énergie demandée mais on voit pas le temps que ça met. Mais vous voyez, on peut transformer de l'or en platine ou en shiny. À mon avis, c'est un des deux. Hein. C'est juste que ça en affiche deux différents. Ouais, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de crafts différents qu'on peut faire. Putain, mais c'est le tin. Ouais, on peut tout transformer en autre chose en fait. Tin en silver. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours la même page là. C'est juste qu'il y a tellement de fois les mêmes trucs. Copper en nickel. Tac, 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 tac. Ah ouais, c'est copper en nickel. En plus, je suis en train de regarder là, mais c'est marqué ici à chaque fois. Copper en nickel. Alors, soi-disant, ouais, mais la Nether Quartz, soit en Surtur Quartz, soit en, enfin, celui de Grey Tech ou l'autre, on verra. Le titanium en chrome. Ouais, titanium, tiens. Redstone en rubis aussi, pourquoi pas. Lapis en saphir. Et le. Ah, mais j'aurais pu faire directement un. Oh, scenarium part. J'aurais pu faire directement un vrai avec de la glowstone. Ah! Là, la glowstone, tu peux l'avoir avec de la laine jaune. Oh, il y a tellement moyen d'avoir plein de ressources en illimité. Bref, ça, je regarderai plus en détail après. C'était juste, voilà, c'était la machine là que je voulais vous montrer. Ce sera un peu la machine aujourd'hui. Du jour, putain, j'ai jamais fait celle-là. Elle est. Ah, elle est sympa. Elle est sympa. C'est assez design. Enfin, bref, parce que avant, pour ceux qui connaissent un peu les anciennes versions de FTB, tout ça, tout ça, tout ça,
Ok, pas solar panel. Mais pour un ultimate solar panel, il fallait donc ça, on est d'accord. Mais pour faire les scénarios, il fallait de la U-U-Mater et ce genre de choses. U-U-Mater qui apparemment bah, n'existe plus trop. Maintenant, c'est là. J'ai oublié le nom encore. Masse. Ah, je sais plus. Je sais que bah, si on tape là, on peut voir encore apparaître. C'est de la Universal Usable Amplifier. On peut obtenir apparemment uniquement avec la U-Mater de Darkcraft, toujours Darkcraft, le mode qui revient, mais alors je ne sais pas du tout comment on l'obtient, j'ai pas trop cherché pour l'instant, et surtout qu'au final bah, ça sert plus à grand chose la U-Mater, juste à faire certains objets. Après, si ça se fait facilement, on pourra toujours regarder hein, pour créer certains items, mais sinon, la U-Mater est morte en fait. Parce qu'avant, enfin, c'était galère pour en faire, il fallait beaucoup d'énergie, c'était long. Ah, ok, il y a toujours l'iridium. On verra, si c'est facile à faire, peut-être pour l'iridium, parce que l'iridium, ça restera quelque chose de rare qu'on a besoin. Sinon, pas trop. Enfin bref, voilà, on se retrouvera un peu plus tard. 14%, ouais, donc c'est très très long. On se retrouvera un peu plus tard, je sais pas vraiment quand. Peut-être, on pourra faire un solar panel d'ici la fin de cet épisode, on verra bien. Bref, moi je vous dis... À tout à l'heure. Et re. Alors, en réalité, en fait, on est le lendemain de ce que j'ai tourné, donc la première partie. Et entre deux, j'ai découvert des choses sympas sur ce Molecular Transformer. La première, c'est que quand vous mettez de l'iron là-dedans, après transformation, ça donne de l'iridium or. Donc, du coup, l'iridium que je cherchais à faire, il n'y a pas de problème. Sachant que donc la U-U-Mater n'existe quasiment plus, enfin plus de la façon des anciens FTB, c'est-à-dire avec la comment ça s'appelait, la Matter Fabricator, elle n'existe plus. Ça c'est une Advanced Translocator. Maintenant, ouais, la UU c'est du liquide. Je sais même pas comment vous obtenez ça. C'est On verra si ça va nous servir plus tard. Vacuum cleaner, what? Ça aspire les items à 8 blocs de nous. Ok, donc nous on a notre aimant, on s'en fout. Enfin bref, maintenant il y a la humateur. Mais on la voit pas quand on tape. Enfin bref, c'est très bizarre. Du coup voilà, j'ai dû donc laisser tourner un moment pour avoir assez d'iridium. L'iridium se trouve dans ma ME. Là-dedans, vous pouvez voir que j'ai rajouté pas mal de craft encore et toujours afin d'avoir l'ultimate solar panel. Bon, il n'est pas entièrement automatique, il y a certaines choses que j'ai dû faire moi-même parce que pour l'instant nos machines ne sont pas automatiques, mais plus tard ce sera faisable d'automatiser de A à 0, j'allais dire de A à Z la fabrication d'un ultimate. Du coup, ah oui, du coup j'avais marqué ultimate, mais avant de demander le craft de l'ultimate, il va falloir demander au Dispenser. Ah oui, puis on a un nouveau mode avec une mise à jour qu'on a faite sur le serveur et sur les clients qui affiche ce qu'il y a dans les coffres. Donc vous pouvez voir, je vois ce qu'il y a dans mes coffres. Là aussi, là je vois ce qu'il y a dans mon dispenser. Là je vois mes drives. Je peux voir ce qu'il y a dans les fours aussi. Voilà, ça c'est les générateurs, les fours, etc. Enfin bref. Bon, du coup, défi ou pas défi? Et ce sera un défi. Hop, du coup on va aller voir ça ensemble. Pendant que j'ai bientôt plus de bouffe d'ailleurs. Oula, toujours le même freeze à cet endroit-là. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que je le saurai un jour. Les cochons, les mâches. Ah, il y a quelqu'un qui a enlevé tout le merdier ici. On passe au vrai pixel art maintenant. Voilà, un pixel art... de crapouette. Ah, bon, au moins il l'a fait bien. Là il lui manque un bloc, je sais pas pourquoi. Et celui-là, je sais pas si je vous l'avais montré, entièrement fait en copper block. Si vous vous demandez où ça s'affiche les items, c'est à droite maintenant aussi. Copper block, bloc d'aluminium, bloc of quoi. Enfin bref, 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 bref. Bon, Durozette, sois clément avec nous s'il te plaît. Ah bah ça va être à notre tour de faire un Durozette. Bon, du coup, je vais faire ça. Et je vais vous le faire, je pense, en accéléré. Et on se retrouve au résultat final.
Le cochon est terminé. Fortement inspiré de celui d'à côté qui est fait en ardennette clay, en laine et un peu en tout n'importe quoi. Ouais, non, en fait, à mon avis, il lui manquait juste un petit peu d'ardennette clay, donc il a mis de la laine rose à la place. Enfin, bref, j'ai fait le mien à côté de celui-là. Je trouvais sympa de le mettre côte à côte. Et moi, il est en Tankwall. Voilà, comme vous avez pu le voir dans la série, si vous avez réussi à voir, j'ai fait pas mal de Tankwall. J'ai même automatisé le craft. Du coup, voilà, du rose, du noir, du blanc et du jaune. Donc ça se fait. Celui-là, je l'ai fait avec. Comment il s'appelait? Avec ça, le sapling qui est passé devant les yeux. Non, pas ça. Ça, voilà, le pink stainé de sapling. Je sais pas comment ça se fait que j'en avais, donc j'en ai fait pousser plein, comme vous avez pu le voir. Donc du coup voilà, ça se fait avec les fleurs jaunes, avec des inksac, et ça c'est celui de base. Bref, du coup, on repart. Pourquoi je me déplace à pied moi? Je suis un feignant, on se déplace pas à pied. What? On se déplace pas à pied quand on est feignant. Voilà. Juste pour s'en mettre, mais c'est pas grave. Ouais, du coup, attention, vous êtes prêts? Are you ready? Et si ça faille, je ris. Et voilà, on a notre premier Ultimate Solar Panel. Je voulais faire. Alors, trop de bordel sur moi, trop de bordel. On va poser ça, 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 ça. Ah, j'ai oublié de le signer. J'irai signer mon chef-d'œuvre après. Les Ultimates, c'est des basiques, des Advanced, des Mekibel. Ça, on va les garder pour l'instant. Hop, là-dedans, on va mettre ça. On déplie là-bas, ça, on la pose en attendant. Ça, on la.
Ouais, on va garder la pelle avec soi, toujours bien d'avoir une pelle. Ça, on la pose. La hache, on la garde. Les bâtons. Ah oui, j'ai un force run normal. Je me dis, mais what? C'est quoi ce bordel? Il s'est transformé. Non, c'est bon. J'avais essayé de faire un U-Reader pour lire ce qui se passait là-dedans, mais ça marche pas. Du coup, déçu. Hop, j'espère qu'elle est. Ah, elle est presque en fin de process. Je sais pas si je la casse, est-ce que je peux. Ça compte. Ouais. Ça serait bête, ça serait. Ouais, tant pis. Hop, j'ai récupéré ma machine, on verra bien. Hop, on récupère tout. Ça, ça, et ça. Ça, j'ai dit. Hop, oula. C'est bon, j'ai tout. Même la stone que je voulais pas. La stone, on va la reposer. Et on va aller. On va juste aller là, en fait. C'est juste pour avoir le ciel en haut. On peut. Est-ce qu'on peut? Oui, on peut. Je me rappelle plus si on pouvait récupérer. On va le mettre un peu loin de tout pour voir. Ici, c'est pas trop mal. On va relier. J'ai un peu peur. Alors, même la nuit, ça charge. Sauf que la nuit, ça génère que du 64. Et on va le mettre là. C'est bon, ça fonctionne. Normalement, oui, j'espère. Sinon, j'ai fait de la merde. Hop, on repose ça là. On va mettre l'item Duke. L'iron chest. Ça pompe depuis. Ah oui, juste faire comme ça. On alimente ceci. Et ça, on met de nouveau notre fer. Donc ça prend du 512 particules apparemment. Oula, ça brille. Ah, 64, oui, parce que ça en avait gardé un peu. Et il est à 0%. J'aime pas vraiment ça, mais bon. Il faut beaucoup d'énergie pour cet appareil, donc peut-être que c'est normal, je sais pas. Je me rappelle plus, franchement. Voilà, 1%. Et du coup, bon, on va tricher un peu. Hop, il fait jour. J'ai dit, il fait jour. Voilà, ça génère du 512. Ah, mais voilà ce que je voulais mettre que j'ai oublié. On va tricher un peu, on va mettre hop. Allez, on veut qu'il soit boosté, du coup on en met 3, je sais pas. Je ne sais toujours pas si ça améliore vraiment ou pas. Franchement, je ne sais pas, on en met vraiment partout. On s'en fout. Nos cœurs. 3%. Bref, du coup voilà, le premier sera alimenté. Et quand on aura de nouveau assez, on pourra refaire. On pourra refaire un autre solar panel et ainsi de suite. Enfin bref, plus on en aura, plus ça va aller vite. Je sais pas s'il y a. Ah, je crois, EU partie, je crois qu'elle n'a pas de limite. C'est-à-dire, si on en envoie du 9 millions, elle fabriquera en un coup. Franchement, je sais pas. Hein. Je me pose des questions. Et juste autre chose, la glowstone en fait, en bloc, si on la transforme. Non, c'est pas là du coup. C'est. Voilà. On peut. What? On peut avoir directement un sonarium avec un glowstone block, alors que le petit donnait un morceau de sonarium. Voilà. Une glowstone normale, ça donnait ça. Le bloc donne directement le gros, donc mieux pour faire le gros. Même si on a besoin de petits pour le craft aussi de l'ultimate. Du coup, ça nous fait gagner du temps. Du coup, ça c'est bon. Ça monte, sans gentiment. Hein. Ça, de toute façon, je vais laisser tourner ça des heures et des heures jusqu'à ce que je puisse refaire et ainsi de suite. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant. J'ai pas avancé en dessous, j'ai encore rien fait. Je me suis focus sur ça pour l'instant. Sachant que j'ai des petits problèmes d'énergie, je suis assez pressé d'avoir vraiment plusieurs panneaux. Ma ME qui n'arrive pas à être alimentée assez, alors que pourtant je produis énormément. Je pige pas. Bref, du coup, moi je vous dis à peu plus tard. Et re. Bon, on est. Alors, on est encore un peu beaucoup plus tard, même. Puisque. Oula. J'ai une météorite qui est tombée là. Heureusement, elle a pas pété le tank. Je sais pas ce que ça aurait fait si ça avait pété le tank. Du coup, je vais vous montrer un peu l'avancement. J'ai toujours 1 milliard de torches. Je ne sais toujours pas si ça sert à quelque chose. J'ai fait un deuxième Ultimate Solar Panel. Sachant que je vais bientôt pouvoir en faire un nouveau. Ah, bah. Est-ce que.
Est-ce que j'aurais assez pour... Non. Enfin, ici, il fallait le matérium. Il fallait d'abord le cuir. Normalement, j'en ai 64. Donc, du coup, je devrais en avoir assez, je crois. Si je demande un no ultimate. Alors, on va le demander pendant que qu'on discute un peu. Du coup, donc, j'en ai mis un deuxième. J'ai mis une MFSU qui est toujours vide d'ailleurs en fait, donc au final elle ne sert pas à grand chose. Juste que elle contient combien elle déjà? 40 millions avec un output de 2048. Les torches améliorent la génération de l'énergie. Vous pouvez voir, on est la nuit, ça génère du 64 et il est full alors qu'il est censé expulser du 512 en théorie. Donc normalement il devrait expulser plus vite que ce qu'il génère la nuit et pourtant il reste full. Donc les torches améliorent la génération d'énergie, clairement, puisque 512 c'est 8 fois supérieur à ça. Par contre, ça améliore pas l'output en énergie, ça ne sort pas plus que ça. Ce qui est dommage parce que du coup, lui en fait il va à une vitesse normale, il prend juste l'énergie de 2 ultimates. Du coup voilà, c'est un peu chiant. Enfin chiant. Ouais. C'est tellement cheaté en fait, non. Enfin, bien que je trouve quelque chose où ça fonctionne pas. Hein. Mais je pensais que ça aurait pu fonctionner. Du coup c'est peut-être aussi pour ça que j'ai des problèmes d'énergie, parce que je produis plein d'énergie, mais mon output est pas forcément supérieur. Et toutes les machines consomment plus, donc plus rapidement, etc. Donc c'est peut-être pour ça que des fois ça clignote. C'est parce que j'accélère et tout, et donc du coup ça n'arrive pas à suivre. Du coup, on va se laisser là pour cet épisode. On aura quand même avancé un peu. On sera focus cette fois-ci sur le Molecular Transformer et les Ultimate Solar Panels. Je trouve que c'est déjà pas trop mal. On verra la prochaine fois. Je sais pas du tout là. Je pense que je vais encore faire quelques Ultimate. Le problème, c'est voilà l'énergie. Et je verrai. Peut-être que je vais quand même faire une base en générateur en dessous déjà pour commencer. Donc je vous rappelle hein, ici et qu'on changera quand on aura assez d'ultimètres histoire d'avancer un peu et de pouvoir trier automatiquement déjà une partie on va dire de ce qu'on a, donc faire je sais pas combien de macérateurs etc etc afin de se débarrasser de tout ça, parce que bon, on va dire que du minerai, je commence à en avoir pas mal. Hein. 15K de copper, 11K de tin, 11K d'iron, encore 11K de copper, etc., etc., etc. Ça fait beaucoup. Du coup, sur ce, n'hésitez pas, comme d'hab, un petit pouce vert, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est... Enfin, limite, c'est même presque plus important que le pouce. C'est afin que des gens puissent découvrir mes vidéos et peut-être apprennent des choses en regardant sur Darkcraft, sur l'AME ou ce genre de choses. Enfin bref, partagez la vidéo. Vous avez juste à cliquer Facebook, Twitter, je sais pas moi, sur ce que vous voulez, sur Google+. Enfin bref, il y a le choix. Et la dernière chose, c'est que si vous êtes sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez absolument aucune vidéo. Bref, donc on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!